Alors, Smarty, cette troisième devinette, bah, ça ressemble au de premier, mon pacalou, hein? Oui, c'est vrai. Alors, essaie avec ton sema, là, mon pacalou, hein, même si c'est pas une démonstration, tu m'as dit. Oui, Smarty, ok, on y va. Bon, tu regardes bien ton sema, là, mon pacalou. Alors, dans la première partie du sema, tu vois que c'est trois fois la même chose, c'est-à-dire 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, etc., plus 1 au carré. Parce qu'en fait, c'est 1, puis après, c'est 4, puis après, c'est 9, etc. Oui, très bien vu ça, Smarty. Alors maintenant, si je regroupe les trois, bah, ça me donne ici le schéma de droite 3 fois Sn. Mais il en manque un petit peu ici. Il en manque exactement 1 plus 3. 1, bah, il me manque combien? Il me manque 1 ici, plus 2, plus 3. Il me manque n. Mais ça, on sait que c'est 1 demi de nn plus 1. On l'a vu dans la première devinette là. Donc du coup, on peut dire que le cube au total, c'est égal à, eh bien, il a le côté n, il a un côté n plus 1, il a un côté n plus 1, bah, c'est égal à n fois n plus 1 que multiplie encore n plus 1, plus il faut que je rajoute ici les 1 plus 2 plus etc., c'est-à-dire le 1 demi de n fois n plus 1. Donc, le cube entier n fois n plus 1 fois n plus 1, c'est égal à 3 fois le Sn du début, plus le morceau qui manque, 1 demi de n plus 1. Oui, c'est joli ça, Smarty. Alors, de repart de la formule, nn plus 1, nn plus 1 est égal à 3n que multiplie 1 demi de nn plus 1. Et puis, je vais essayer de voir comment je peux calculer ça. Bon, alors, si je fais passer tout ça à gauche, ça fait nn plus 1 fois n plus 1 moins 1 demi de nn plus 1 égale 3sn. Mais là, c'est un n ici et là, et là, c'est n plus 1 ici et là. Je peux factoriser. Ça me donne nn plus 1 fois n plus 1 moins 1 demi. Tout ça, c'est toujours égal à 3sn. Mais n plus 1 moins 1 demi, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc ça me donne nn plus 1 fois n plus 1 demi égale 3sn. Eh bien, tu fais diviser par 3 maintenant. N plus 1 demi, tu peux mettre un 1 demi devant. Comme ça fait n, ben, c'est comme si tu avais 2n, 2n fois 1 demi, et puis le 1 demi fois 1 demi, je mets 1. Donc ça fait nn plus 1 fois 1 demi fois 2n plus 1 égale 3sn. Maintenant, si je divise par 3 des deux côtés, c'est 1 demi divisé par 3, ça fait 1 sixième fois n fois n plus 1 fois 2n plus 1 égale Sn. Et voilà, la formule, elle est démontrée. Sn est égal à 1 sixième de n plus 1, 2n plus 1. Ah ben, c'est très joli, Smarty, c'est bien vu. Puis c'est facile à retrouver, encore une fois, avec ton illustration, là, mon Pacalou. Oui, c'était une illustration, pas une démonstration, encore une fois. Hein. On peut le démontrer de manière beaucoup plus rigoureuse, avec une démonstration par récurrence. Pour ceux que ça intéresse, rendez-vous en fin de vignette. Sinon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Et rendez-vous demain pour la quatrième devinette de la semaine. Déat, mon Pacalou, déat. Alors, c'est parti pour la démonstration par récurrence. On commence par la première valeur, n égale 1. Bon, bah, n égale 1, S1, c'est 1 au carré, ça fait 1. Et si j'applique la formule, ça fait 1 sixième que multiplie n devient 1, n plus 1 devient 1 plus 1, et 2n plus 1, c'est 2 fois 1 plus 1. Bon, alors, 2 fois 1 plus 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3, 1 plus 1, ça fait 2, 2 fois 3, 6, que divise 6, ça fait 1. C'est bon, la formule est vraie pour n égale 1. Alors, on va faire comme d'habitude, on va supposer que c'est vrai pour tous les entiers k, de 1 jusque n, et on va voir si c'est encore vrai pour n plus 1. J'applique la formule, Sn plus 1, c'est 1 au carré, plus 2 au carré, etc., plus n au carré, plus n plus 1 au carré. Mais le début de la formule, c'est Sn. Donc ça me donne Sn plus n plus 1 au carré. Et Sn, je connais la formule. 1 sixième de n fois n plus 1 fois 2n plus 1, plus le n plus 1 au carré qui traîne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je peux mettre n plus 1 ici et ici en facteur commun. Puis je vais mettre aussi 1 sixième. Donc pour ce morceau-là, il me reste n 2n plus 1, et pour cet autre morceau-là, on devrait dire le terme, ben je vais mettre 6 fois n plus 1 parce que j'ai 1 sixième devant. Il me restera bien mon n plus 1 au carré. 1 sixième de n plus 1, je développe, n fois 2n, ça fait 2n au carré. Ici, j'ai n fois 1, ça fait n, et ici, j'ai 6 fois n. Donc 1n plus 6n, ça fait 7n. Et puis là, il me reste le 6 fois 1, c'est-à-dire 6. Et ça, là, le 2n carré plus 7n plus 6, eh bien, on peut voir assez facilement que c'est n plus 2 que multiplie 2n plus 3. J'ai donc ma formule 1 2 sixième que multiplie n plus 1, que multiplie n plus 2, que multiplie 2 fois n plus 1 plus 1. Et voilà, la formule est démontrée par récurrence. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.
Rendez-vous demain.